Toi, tu m'écoutes pas là. Ah bon? J'ai même l'impression que tu m'aimes pas. Non, même pas. Je t'aime, voilà. Mais je t'ai dit que je n'aime pas que tu aies Barbie façon façon là. Ah bon? Ce sont mes barbes qui te dérangent. Donc, je sais pas, je vais aller me raser tel un Bouddha. Ah! Oui. Et toi? Hey! Que quoi? Hein? Quoi? T'es rasé? Oui. Oui. Chérie, oui. Moi je t'aime comme ça. Ah bon? Oui, tu ressembles à un lion sauvage. Et j'adore ça. Toi là, tu te prends pour qui? Tu penses qu'il a 20 ans? Hein? Oui. Tu te prends pour qui? Toi là, qui t'a sonné ici? Puisque tu aimes la sauvagerie là, va dans la brousse pour qu'on en finisse. Combien, chérie? Non. Tu me traites de sauvage. Moi sauvage, si tu es une femme, répète encore, je vais te montrer qui je suis. Tu vois quelqu'un d'autre ici? Je vais te montrer qui a fait rougir les piments dans la forêt. Est-ce que tu me connais? Et moi je suis la première femme de cette maison. Oui, je n'en dis qu'on vient. Et puis pas. Toi? Silence, je dis. Il faut l'éduquer. Non, je vais l'éduquer. Pas de manière là. C'est pas à une seule que je vais éduquer. Tu te prends pour qui? Je suis l'homme de cette maison, après tout. Hein? Toi tu aimes que je me rase la tête. Et elle ne veut pas que je me rase. Chérie, toi-même tu sais que tu es beau quand tu te rases. Oui, je sais ça. Non, calmez-vous. Je suis le mari à vous deux, vous le savez. Mais je suis la maîtresse de cette maison. Et moi je suis la première femme. Ah, oh, chérie. Ah, chef. Toi, c'est que tu m'écoutes. J'ai dit, on m'écoute. C'est moi l'homme de la maison quand je parle, vous vous taisez. Ok? Chérie. J'ai dit, on s'était. Parce que tu. On s'était. Silence. Ok? Moi, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Attendez-moi tout de suite. Je viens. Et je ne veux pas les palabres derrière moi, ok? Je viens, je viens. C'est quoi ça? Je viens. N'oublie pas ton sac. Voilà, reste-toi bien. Au revoir. Si jamais tu te rases, tu vas rester là-bas. Tu ne vas pas rentrer dans cette maison-là. Voilà. Et le bon Dieu a dit que tout homme qui n'est pas équitable entre ses deux femmes finira dans l'enfer. Vous faire plaisir est mon seul devoir. Vous n'êtes pas mes ennemis, plutôt nous sommes complémentaires. Est-ce que vous le savez? Et sur ce, comme vous avez souligné un petit truc ici ce matin, j'ai voulu vous faire plaisir. J'ai décidé d'exaucer vos voeux. Vous avez compris? Il ne faut jamais vous battre derrière moi. C'est clair? On est d'accord? Parce que je suis un mari comblé. Un mari comblé est cet homme-là qui aime faire plaisir à ses femmes. Ce matin, les petites palabres qu'il y a eu ici, là, je ne voudrais pas que cela se répète. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire plaisir. Tada! Ça c'est quoi ça? Mais tu m'as dit que tu aimes mon côté lion. J'ai laissé cette partie pour toi, pour que je puisse garder mon côté. Il y a quoi?
aujourd'hui, c'est moi et puis ma petite soeur. Et si demain tu prends une autre femme encore, une troisième femme, comment tu vas faire? Je vais raser ici. Et tu prends, si tu prends une quatrième femme? Je vais raser ici. Il y a quoi? Et moi, l'angoloni. Moi? Mais il y a quoi? J'ai voulu vous faire plaisir. C'est comme ça que tu me réponds. Donc, chérie, tu t'es fou de nous? Comment? Qu'est-ce que c'est que ces coiffures? Mais tu as dit que tu aimes quand je me rase. J'ai rasé cette partie-là, mais amuse-toi avec ça. Il y a quoi? Allez, c'est moi qui viens du monde. Ah, les femmes. On dit que tout ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, femme ne veut jamais. Dieu a dit de mourir. Moi, je suis votre homme, mais vous ne voulez pas ça. Hein? Quand je décide de vous faire plaisir, c'est toujours les mêmes mots. C'est pas vous, c'est moi. Comme je me suis rasé la moitié de ma tête là, la prochaine fois vous allez me voir. C'est quelles sont ces manières? Fuck off, yeah.